Bonjour, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé je sais que ça pourra vous servir, du moins à certains, peut-être un moment donné ou à un autre de votre carrière sur Movistar Planet. D'un autre côté, je ne vous le recommande pas forcément, hein, puisque bon, techniquement, si vous devez contacter le support, c'est que quelque chose ne va pas, du coup, je ne vous le souhaite pas. Mais si cela devait arriver, voici comment faire. Alors moi, je vais vous donner en description le lien directement pour aller sur le site pour contacter le support. Pour les personnes que je peux comprendre qui sont réticentes à cliquer sur un lien ou qui ne me font pas forcément confiance, je vais vous montrer la démarche pour arriver sur ce formulaire de contact pour MSP. Alors, nous sommes actuellement sur le site de Movistar Planet et en bas à gauche, vous avez contact. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur ce site qui va automatiquement vous demander faire une sorte de petite FAQ, des questions je pense les plus demandées pour vous éviter de les contacter pour rien, mais qui vont pas vous rediriger vers un contact mais plutôt vers une réponse écrite automatique. Donc si vous devez les contacter eux-mêmes, vous cliquez en haut ici sur Movistar Planet. Je pense qu'en bas vous pouvez aussi, ah non c'était pas là-dedans, c'est vous descendez en bas, je l'avais fait tout à l'heure en plus. Ah voilà, vous cliquez en fait sur la petite, sur le gros Movistar Planet, hein, je dis des bêtises. Vous descendez tout en bas et vous allez voir support Movistar Planet, vous allez cliquer dessus. Et vous descendez tout en bas encore une fois, bon, bien sûr vous pouvez lire les petites informations parce que peut-être que ça peut vous aider, vous éviter de les contacter. Comme par exemple des questions assez régulières, j'ai reçu un numéro de blocage, pourquoi, je n'ai pas reçu mon VIP, etc. etc. Peut-être que ça pourrait vous répondre sans passer par la case l'attente de la réponse, etc. Mais une fois tout en bas, vous cliquez sur formulaire de contact et là vous allez retomber sur le site que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Alors là c'est tout simple, hein, va falloir mettre un maximum de coordonnées. Alors bon, je pense que le mieux c'est de mettre l'adresse email qui est associée à votre compte MSP avec lequel, vous avez un problème. Donc nom d'utilisateur, c'est le pseudonyme Movistar Planet. Choisir le domaine, donc le domaine bien sûr ça va être la France, hein, enfin... Bien sûr, non, en fait, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en France. Mais oui, que dis-je? Quoique, non, c'est le domaine. Donc, effectivement, pour la plupart, ça va quand même rester la France, parce qu'en fait, c'est pas le pays où on habite, mais c'est sur quel MSP nous sommes. Donc, sur le MSP polonais, le MSP français, etc. Donc, en fait, j'ai des bêtises. Choisir le jeu, donc là, vous choisissez. Hein, peut-être que si vous avez justement un problème avec un autre jeu, Bounty Planet ou Blockstar Planet, vous pouvez aussi passer par là. Et votre question concerne mon avatar, paiement, règles, sécurité, technique, haute, j'ai été banni, remarque. Alors bon, si vous n'avez pas la réponse là-dedans, vous cliquez sur haute, sinon vous cliquez la bonne section. Alors ton code de blocage, vous voyez qu'il n'y a pas de petite étoile, donc c'est pas obligatoire. Mais le code de blocage, en fait, c'est celui que vous recevez lorsque vous avez été bloqué suite à un manque de respect envers le règlement de Movistar Planet, hein. Un Karzaïk s'est fait bloquer pour rien, mais c'est pas grave, on n'en reparlera pas. Enfin si, j'ai envie d'en reparler, mais non, on n'en reparlera pas. Vous mettez votre code de blocage, voilà, donc votre appareil, PC, téléphone, tablette, voilà. Sujet, donc là vous mettez le sujet, la description, éventuellement vous pouvez rajouter des pièces jointes, donc des fichiers, si vous en avez besoin, si ça peut vous prouver certaines choses. Et bien sûr le petit je ne suis pas un robot, puis envoyé. Donc la réponse vous la recevrez sur votre email que vous avez écrit au tout début. Voilà, et la suite des questions, enfin la suite, vous allez devoir répondre directement par email à l'email que vous allez recevoir. Alors voilà, donc là pour le moment pour la vidéo c'en est fini. Pour les personnes qui voulaient contacter Movistar Planet, maintenant un petit PS numéro 1. Movistar Planet ne vous demandera jamais votre mot de passe comme la plupart hein, des jeux, comme je dirais même tous les jeux, hein, s'ils ont votre numéro, enfin s'ils ont votre nom d'utilisateur, ils n'ont pas besoin de votre mot de passe pour aller sur votre compte, pour vérifier votre compte, voilà, parce qu'ils sont les administrateurs, les modérateurs, ils en ont pas besoin hein, tout simplement. PS numéro 2, si vous recevez un email de Movistar Planet ou
le pauvre Jean-Luc du 13, mais de Jean-Luc du 13, modérateur, @moviestarplanet.fr, c'est déjà, c'est faux. Hein, la plupart, j'ai déjà reçu énormément d'emails de personnes qui se faisaient passer pour des modérateurs de Movistar Planet. Alors déjà, bourré de fautes, hein, déjà pour commencer, hein, alors pour les gens... Qui essayent de gratter des mots de passe, hein, essayez au moins sans faute, ce serait déjà un petit peu plus crédible. Mais non, ils ne vous demanderont jamais votre mot de passe. Du coup, si quelqu'un se fait passer pour un modérateur vous demandant votre mot de passe, c'est du fake. S'il veut juste vous voler votre compte, donc ne lui donnez pas votre mot de passe. PS numéro 3, je vous invite, bah de toute façon je pense que je vais vous le mettre dans l'outro, je vous invite à aller voir ma vidéo de MSP, pire qu'une prison, parce que vous verrez les contacts, enfin le contact que j'ai eu avec Movistar Planet, parce que souvent le problème, si vous les contactez, c'est qu'ils ont tendance à répondre par des messages automatiques, genre des copier-coller, sans donner de réelles réponses, et ça je le prouve dans la vidéo que je mettrai dans l'outro, donc n'hésitez pas à aller la voir, parce que franchement il y a moyen de se taper des barres quand même, hein, parce que ils étaient complètement à l'ouest. Un modérateur me disait A, le deuxième modérateur me disait B, il manquait plus que le troisième modérateur qui me dise Y, quoi. Et puis c'était bon, on avait la totale. Enfin bon, moi sur ce je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, gros bisous à vous, ciao ciao.